Je sais que par le passé, je vous ai souvent dit de faire attention, de prendre du recul, d'y aller petit pas par petit pas. Mais alors là, laissez tomber, hein. On lâche les chiens et on y va à fond. Plus sérieusement, c'est important lorsque vous créez une mise en scène de toujours commencer soft. Mais une fois que vous maîtrisez la base de votre cadre, que vous savez exactement comment construire votre scénographie et que votre décor est devenu votre meilleur ami, vous savez qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure et donc de chercher à apporter un peu de nouveauté à tout cela finalement. La nouveauté prend ici la forme d'un tout qui doit sonner comme un peu plus encore, encore un peu, bref, de chercher à amener ce petit élément qui fera la différence et qui vous permettra de tenter de vous dépasser et de proposer à vos spectateurs quelque chose de neuf. Et surtout, quelque chose dont vous serez fier. Et en ce sens, je pense profondément que le fait de toujours en faire plus permet à votre contenu d'évoluer dans le bon sens et surtout en se bonifiant. Ne pas en faire trop non plus, hein. De un, ça servira à rien et en plus, ça vous mènerait nulle part. Mais toujours bien en faire un petit peu plus. Surtout dans la mise en scène. Encore et encore et encore, à chaque vidéo, cherchez simplement ce juste et délicat équilibre entre un besoin de constamment jouer avec sa caméra, base de la mise en scène, et surtout de ce que vous êtes en tant que créateur sur YouTube, pour ensuite jouer un peu plus avec le contenu de votre cadre, pour ensuite amener un petit cran supplémentaire en jouant avec le montage de votre vidéo, bref, toujours un peu plus. Ce petit plus, c'est ce qui vous rendra important sur la toile et c'est surtout ce qui fera qu'on va se poser les bonnes questions quant à votre contenu. Que l'on va se dire que la qualité évolue et donc que votre légitimité sur la toile prend de l'ampleur. Car c'est souvent cela que l'on juge et que l'on regarde, tel le jury de The Voice, parfois retourné dans notre fauteuil, mais une fois face à votre contenu, il nous est impossible de regarder ailleurs. C'est cela que j'aime avec la plupart des idées qu'a un créateur, c'est qu'il peut toujours faire évoluer les choses, les emmener dans une direction toujours intéressante et surtout faire en sorte que ça aille toujours plus loin. Au fond, la chose à retenir le plus ici, c'est simplement de vous dire que la manière avec laquelle vous allez construire votre mise en scène ne doit pas atteindre son sommet dès le début. Sinon, franchement, je pense que vous allez vous retrouver dans la même situation que ce cher Neil Blomkamp. Et encore, lui aujourd'hui, il est devenu une star de YouTube, donc il a plutôt réussi à s'en tirer. Non. Le but est de faire en sorte de proposer une bonne base de travail pour ensuite aller dans ce sens où finalement, simplement et évidemment, votre chaîne va évoluer. Votre contenu va progresser, la qualité va s'améliorer et donc, un petit plus, encore et encore et encore et encore, ne fera absolument pas de mal à votre chaîne, bien au contraire, et c'est cela qui est beau avec Internet. Pour terminer ce cycle autour de la mise en scène, on va simplement se poser une petite question qui a une certaine forme de justesse en termes de boucle autour de celle-ci. Est-ce que c'est bien de varier son format en fonction du contenu qu'on propose ?